La France, la France est plus que jamais prête à partir à la conquête de l'espace. L'espace, c'est le cinquième domaine de confrontation militaire. Après l'air, la terre, la mer et le cyber. Aujourd'hui, le nouveau logo de la nouvelle armée de l'air et de l'espace doit être dévoilé. La France se donne tous les moyens pour assurer sa présence au-dessus de nos têtes. Il y a environ 2000 satellites au-dessus de nos têtes. Ils seront 4 fois plus dans 5 ans. Les menaces s'accumulent, de plus en plus variées, explique le général Friedling, chef du commandement de l'espace. Ça va de la menace cyber à la menace de destruction totale avec des missiles. Et au milieu de tout ça, bah, vous avez des menaces de brouillage, d'espionnage. Vous avez des satellites espions, vous avez des satellites kamikazes, vous avez des satellites qui, viennent avec des bras artic... qui peuvent venir avec des bras articulés pour arracher un élément d'un autre satellite et puis le rendre, bah, le... en fait, le tuer en fait. Hein, voilà. Alors bien protéger, c'est bien voir et surveiller, savoir détecter assez vite un objet spatial, l'identifier pour savoir s'il est ami ou ennemi, jusqu'à bientôt arriver même à retracer le lieu de lancement de l'engin qui rôde autour de tels satellites militaires français. Interarmé, le commandement de l'espace sera installé d'ici cinq ans dans un seul et même lieu, des locaux neufs à Toulouse, à côté du CNES. Ses effectifs militaires auront doublé, ils seront presque 500, des militaires actuellement formés par des civils pour apprendre à piloter leurs propres satellites.